Donnez frérot, le c'est Escape, code. C'est... Ah. Ma carte, elle était bloquée, gros. Mais non. La vie, tu veux mère. Que je paye pour toi? C'est bon, je c'est bon, toi, c'est bon, c'est bon. Toi. C'est bon, c'est bon. Je recope encore. Ah, arrête, toi, ils vont me bloquer, ils vont me bloquer. 7. 7 Swift Soul, donc voilà les potes, très très bon drop. Petit événement sur Nike, accès exclusif, du coup je les cope en taille 40. J'ai vu que ma commande de la Air Force Skeleton a été cancel. What? Ah, il y avait une copie, frère. La semaine prochaine, les potes, on a la collab entre Nike et Sakai pour la Vapor Waffle. Donc on va voir ce qu'on pourra faire dans le prochain épisode. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2 de Cop It. Donc je vais profiter du début de cet épisode pour vous parler un petit peu les potes. Déjà j'aimerais remercier tout le monde pour vos retours. Franchement, vous avez accueilli le premier épisode à bras ouverts et vraiment plus de 1000 vues en moins de 24 heures. C'est insane, vraiment je vous remercie tous du fond du cœur. Des très bons retours comme des très mauvais, bon voilà ça arrive hein. Mais en tout cas merci à tous, que ce soit pour vos critiques ou pour vos messages de soutien. Ça m'aide vraiment à m'améliorer pour les futurs épisodes. J'aimerais aussi vous parler un petit peu du Covid. Donc comme vous savez très bien, en ce moment en France ça tourne un petit peu au ralenti, on a un espèce de reconfinement qui fait qu'il y a pas mal de choses qui sont bloquées etc, et du coup je pense que dans la sneakers bah on aura pas mal de drop in store etc qui vont être bloqués, de release qui vont être décalés etc etc, on commence déjà à ressentir les effets. Donc dans les prochains épisodes je pense que ce sera un petit peu moins garni on va dire entre guillemets, et du coup bah je vais essayer de meubler un petit peu les épisodes comme je peux. Bon voilà, ces deux parenthèses sont fermées, merci à tous pour tous vos retours et là on passe directement à la vidéo avec un unboxing. Donc j'ai reçu un petit colis de chez Nike et je vais vous unboxer ça et vous présenter la paire, mais je pense que vous savez à peu près de quoi je vais parler. Donc du coup voilà la paire les frérots. Jordan 1 mid taille 42. En vrai c'est ma taille, je pourrais la garder mais je vais la revendre. Elle a pris un très très gros up cette paire. J'aurais dû en cop plusieurs et je pouvais en cop plusieurs, mais j'aurais dû clairement. Mais bon, c'est pas grave, on en a au moins sécure une. Et du coup, bah ça va partir hein, du coup. Donc du coup, voilà les frérots. Demain, on a le drop de Supreme avec la TN et les coques d'iPhone. Donc du coup, je vais ouvrir avec ça. Et après, fin de semaine, on a la Nike X Sakai Vapor Waffle. Donc on va essayer de la cop en sachant qu'il y a très très peu d'FCFS. Donc il y a only SNKRS. Dans tous les cas, je vous filmerai ça. Et du coup, je vous filmerai dès que j'aurai 2-3 petits trucs à vous filmer. Et c'est parti, on continue l'épisode des potes. Lucas. Ok les refs, donc il est 11h45, on se retrouve pour le drop suprême qui a lieu dans 15 minutes. Pour l'occasion, on a réussi à se procurer F3 pour le CG. Donc du coup, je run des slots pour moi et pour deux membres du CG. On va un peu tester, voir comment est-ce que le bot se débrouille. Je connais pas tout, donc ça risque de flopper. J'espère choper une paire ou deux. J'ai également run pour des coques d'iPhone, je pense que ça va bien se revendre. Donc du coup, c'est parti, on va voir ce qu'on peut cop. Oh non, j'ai waiting pour captcha, mais j'ai pas de captcha. Oh, j'écarte un truc, les gars. Yes, j'ai deux checkout sur les camos.
Bon les frérots, on se retrouve après le drop suprême. Donc du coup, comme vous avez vu, j'ai testé F3, donc j'ai un peu regardé ce qui marchait, ce qui marchait pas. J'ai fait quelques petites erreurs et j'ai appris de mes erreurs entre guillemets. J'ai remarqué que les one click c'était vraiment très 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 important, donc je vais essayer d'en farmer un maximum et je vais mettre ça aussi également en place pour les membres du Washed Premium pour qu'ils puissent farmer les one click sans avoir les outils. Donc on va mettre ça à leur disposition. Donc ça va être plutôt cool. On va essayer de monter un truc et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, on peut pas tout savoir. On peut pas tout connaître, le monde il évolue, il faut qu'on fasse avec, donc moi j'apprends et après on évoluera au fur et à mesure. Mais en tout cas c'était une bonne expérience et moi j'ai bien kiffé de faire ce drop là. Donc il y a une coque d'iPhone qui a été annulée, donc il y en a toujours une qui est en livraison. Pour l'instant elles sont encore en stock, mais en vrai j'ai bon espoir pour que le prix monte, donc je vais la garder et on verra ce qu'on pourra faire. En tout cas nous on se retrouve pour le drop de demain, la Nike X Sakai Vapor Waffle. Bon les frérots, on est vendredi 6, aujourd'hui on a le drop de la Nike X Sakai Vapor Waffle sur SNKRS, donc on va launch comme d'habitude TSB et on va encore croiser les doigts pour essayer de choper une paire, même si vous connaissez un petit peu la chanson, c'est compliqué sur SNKRS de drop une paire. En tout cas on teste et je vais sûrement aller en vocal avec un petit pote qui va tester une sneakers de son côté et on va voir ce que ça va donner, donc c'est parti les potes. Bon les potes, je vous reprends, il est 10h20, on a passé le drop SNKRS et il y a eu un FCFS sur Soulbox, du coup j'ai réussi à avoir une Sakai Fuchsia en 39, donc je suis plutôt content. FCFS, je vous ai pas record, par contre je suis un peu dégoûté, mais pas de soucis, dès que je reçois la paire on fait un petit unboxing, en tout cas petit rappel, et je veux continuer à voir s'il y a 2-3 petits autres trucs, je run quelques bots et on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc voilà les frérots, on arrive déjà à la fin du deuxième épisode de Cop It. Je suis vraiment désolé pour la durée de l'épisode qui est très très courte. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo avec le coronavirus, on a beaucoup de drops qui sont annulés, delayed, qui sont repoussés, etc. Donc du coup, vous inquiétez pas, il y aura un peu plus de drops dans la semaine qui va arriver. On a énormément de dunk, on a pas mal de petites paires qui vont arriver. Également, j'aimerais vous dire de rejoindre le Washed Restock les potes, parce qu'on commence les groupes buy. Là, on commence à être assez nombreux. Ce soir, le lundi 9, on a un groupe buy avec SwiftSol. On vous offre un code de 5% de réduction, en sachant que SwiftSol en ce moment ça carte très bien. On a Rob, l'administrateur de Washed, qui a cop 3 paires de TN avec le SwiftSol, donc il va donner un petit cours sur comment bien le setup sur le Discord Premium. Du coup n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez vous procurer le bot. Et nous la semaine prochaine on a les dunk vénère, on a pas mal de petites dunk qui vont restock, on a pas mal de dunk, pas mal d'autres paires, et on verra ce qu'on pourra cop dans le prochain épisode les potes.